C'est Erunim et on se retrouve dans l'épisode 44 de ce Pétro sur Skyrim et Dotgar. Donc on est au Cairn des âmes, mais si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, eh ben vous ne savez pas que nous devons tuer des gardiens qui gardent la mère de Serana emprisonnée. Donc le Cairn des âmes, c'est un peu là où se retrouvent toutes les âmes perdues. Voilà. Hop. Ça vous apprendra. Bon. Et je me suis mis sous forme de vampire parce que je suis beaucoup plus puissant sous cette forme, évidemment. Alors. Alors, le gardien. Le gardien, bah, je pense que c'est le machin là. Voilà. D'où venez-vous ? Par contre, il prend pas beaucoup de dégâts. Oh. Vous voyez qu'il est totalement en armure drapée. Vous savez à quoi ça sert. Et autrement dit, c'est de la merde. L'effort meurt rapidement, s'il te plaît. Oui, le combat est un peu long. C'est un peu long. Et où est Serana? Je vais l'engueuler un petit peu, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Yes. C'est Rana. C'est pas une arme. Mais. Tu en sais, gardien ou je ne sais quoi. Ah, t'es de retour, c'est bien. J'avais peur que tu sois morte. Bon, une arme de brin. Dépêchons-nous, je ne veux pas m'éterniser ici. Alors, dernière tour. La dernière tour doit être derrière. Et je parie qu'on va rencontrer ce fameux dragon en chemin. Ou au moins juste avant d'aller récupérer la merde. Oh oui. C'est très bien ça comme scénario. Hop. Tu vois mon arc? Non. Dommage. Il s'entraîne au tir à l'arc. Petit squelette. Allez, viens. Bon bah, écoute, si tu veux pas me tirer dessus, c'est ton problème, hein. C'est pas le mien. Bah. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ces
opus si l'on m'interrompt de la sorte. Bien évidemment, si je n'avais pas perdu toutes les pages, je ne serais pas dans cet état, et nous n'aurions pas cette conversation. Très bien. Je suppose que je peux vous accorder... Tiens, une quête dans le monde des morts, ça serait intéressant, ça. Je suis Jub. Certains m'appellent Saint Jub. D'autres m'appellent Jub l'éradicateur. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. Ah bah ça me dit rien du tout. Votre réponse ne me surprend pas. Tant que je n'aurai pas publié mon second volume, personne ne sera au courant de mes prouesses. Un livre. Un livre. Difficile d'employer ce mot quand on parle d'une épopée en 26 volumes. 26 volumes, eh ben mon Dieu. Vous avez sans doute entendu parler de la naissance et le déclin de Saint-Jude l'éradicateur, héros de Morrowind et sauveur des Dunmore. Peut-être que vous devriez laisser l'écriture à un expert et arrêter de faire des suggestions stupides. Bon. Mal. Vraiment mal. Bon. J'étais en plein travail d'écriture du second volume. Ce maudit Bremora et ses serviteurs, ils ne m'ont même pas laissé... Je crois bien, oui. L'instant d'après... Mon quoi ? Attendez... Non... Tous ces mois gâchés... Maintenant, mon travail... Bon, alors... Peut-être... Vous... Peut-être qu'il m'est impossible de sortir... Pour pouvoir écrire le second volume de mon opus, j'ai besoin des notes que j'ai prises pour le premier volume. On m'a jeté ici. J'ai eu l'impression de faire... Il y en avait 10 en tout. Trouvez-les pour moi. Je vous en supplie. Ah oui. Saint-Jub. Jub l'éradicateur. On va faire une quête au passage. Magnifique. La patience du saint. D'un saint. Un grand nombre de ces titres grâce à ma campagne contre la menace. Oh, je sens que ça va être long. Alors, attendez. Donc c'est par là-bas qu'on doit aller pour la quête principale, tout. Enfin, la quête principale. La quête des... Ah, je vois des morts. Je vois des morts. Enfin, en même temps, on voit que ça dans ce paysage. Non pas que je n'aime pas les morts, mais bon, quand même. Serait-ce une blague? D'où venez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce... Bon, allez. Ous! Quête, s'il vous plaît. Tu es une garde judiciaire. Oui, ok. D'accord, c'est une quête secondaire, visiblement. Et j'ai récupéré le crâne, non? Oui, je pense. Hein. Alors, bah, diverses. Que faire avec je sais pas. Bon bah je l'ai récupéré hein, au moins c'est déjà ça. Terrana, tu sais pas quoi faire avec toi? Bon écoutez, on va continuer notre quête hein. Je
non, je sais pas, pour avoir un cheval infernal, ça serait pas mal. J'aime bien l'idée. Rendrez le crâne d'Argon. Il va là. Ok, mais je sais pas à qui le rendre. J'avais bien appris quelque chose. Il y en a un qui me balance. Ouais. J'ai une quête ici. Visiblement, il y a eu de la proximité. Je vais regarder ce que ça donne. Bonjour, monsieur. Arvak, vous l'avez sauvé. Son âme est libre, je le sens. Oh, oh. C'est un animal extrêmement loyal. Je vais vous montrer comment l'appeler. Il vous aidera à vous déplacer dans ces terres désolées, mais je pense qu'il serait plus heureux dans une région ensoleillée. Oh, intéressant. Au revoir. Prenez bien soin d'Arvak pour moi. C'est un si bon cheval. Bah, promis, alors, hein, promis. Et oh, laissez-moi tranquille. Oui, mais je sais même pas comment je fais pour l'appeler mon cheval. Je vais utiliser son crâne peut-être. Une invocation. On sait jamais, hein. On va tous les vérifier. Illusion, non. Destruction, non. Conjuration. Invoquer Arvak. Ah bah tiens. Pas assez de magie. Bon bah ok. Non, on va éviter d'utiliser la magie tout de suite. Alors. Bon donc on était pas. On va se déplacer à pied en attendant. Donc j'avais un gros marqueur par là-bas. Oh non. Oh non. Qui va là ? Ouais, tu veux me laisser tranquille. Hop là. Ça vous prendra. Je sais pas trop combien de tuer les gardiens. Suis-je? Allô? C'est Ramin. Ça me rassure, t'as emprunté le même chemin que moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
messieurs. Je pense que le gardien est dans le coin. Il est là. D'où venez-vous? Aïe! Qu'est-ce que... Donc ça, c'est... un puits de sortie. Ah. Ça. Les animations sont un peu à chier là, j'avoue. Bon, retournons au château. Enfin, à la prison. Et espérons qu'on ne tombe pas sur le drap. Il va nous arriver sur la gueule juste avant qu'on... C'est Rana, elle est où? C'est Rana? Ah, elle est là. Toujours à la traîne, cette fille. Pouf. Hop, on redescend. Parce que je suis pas du bon côté. Vous n'avez rien vu. Je suis occupé de flipper un petit peu dès que je vois un truc qui ressemble de près ou de loin à un dragon. Alors bon, c'est pas que je sais pas me battre contre des dragons, mais bon. Vous avez réussi à détruire les trois gardiens. C'est très impressionnant. Oui. J'ai pas trop confiance, c'est une prison. Et elle veut m'entraîner à l'intérieur. Maintenant que la barrière de la prison est brisée, il va certainement venir voir ce qui se passe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Sang immortel. Bon, sang immortel, je connais. Laboratoire alchimique. Vie de dame. Eh ben mon Dieu. J'ai toujours du mal à croire que ma mère est toujours en vie. Enfin, façon de parler. Oui, je comprends. Cimetière. C'est même pas une prison, c'est un cimetière. Merci. Ça fait vraiment plaisir. On fait confiance aux gens. On nous amène dans des endroits pas très confortables. Oh oh. Oh. J'ai cru avoir passé quelque chose. C'est un dragon. Bon, les Dovaki ne roulaient pas. Allez hop, c'est parti. Plus c'est tout. Oh, c'est bon. C'était pas
sûr que celui-là est pas possible. Qu'est-ce que... Ça vous suffit pas. Ici. Non, 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 je veux ton âme. Même si elle est pourrie. M'en fous. Mais... Oh, saloperie. Pardonnez mon étonnement, mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon. Les volumes traitant de Durnevir affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels. Apparemment, ce n'est pas... Surtout que... À moins que... L'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'écaille. Il est possible que votre coup mortel n'ait fait que chasser la forme physique de Durnevir pendant qu'il se reconstitue. Quelques minutes, quelques heures, quelques années, je n'en ai aucune idée. Je suggère que nous n'attendions pas pour le découvrir. Maintenant, récupérons le parchemin des anciens. D'accord. Et vous pourrez repartir. Et du coup, je vais vider un peu tout son atelier alchimique, là. Hein? Oh! 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 Que vouliez-vous? Eh ben, mon Dieu. Je suis pas venu pour rien, moi. J'ai toujours du mal à croire que ma mère est toujours en vie. Enfin, façon de parler. Ça y est, il faut encore que je lâche des items. Qu'est-ce qu'il va falloir que je... J'ai quand même 8 kilos à enlever. Ça va pas être facile tout ça. Mais une arbalète, ça suffit, voilà. Bon, vous êtes là. Je ne m'en serais jamais sortie toute seule. Oh, un parchemin des anciens. Heureusement que vous êtes là. Je ne m'en serais jamais sortie toute seule. Oui, Oblivion, oui, je sais. Ça, je prends, c'est toujours utile. Bon, merci, je m'en serais jamais sortie. C'est gentil. Maintenant que vous avez le parchemin des anciens, oui, je sais. Vous devriez vous mettre en route. Je n'ai pas le choix. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fille de Port-du-Fond. Si je repars en Tamriel, Archon aura plus de chances de réussir à réaliser la tyrannie du soleil. Merci de vous soucier de moi, mais la seule qui compte à mes yeux est Serana. Oh, en même temps, c'est ce que j'avais prévu de faire, donc bon. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Archon. Peu importe ce qu'il promet, il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut. Et promettez-moi que vous protégerez ma fille. C'est la seule chose à laquelle je tiens. T'inquiète pas, moi aussi je tiens à elle. On va vite retourner à la maison. Hein. Alors c'est par où la sortie? Par là. Quoique. Pas sûr. Je sais plus. Bon, on va dire que c'est par là. Oui, c'est par là. La grande porte. Allez, donc on rentre en Tamriel et puis après on se quitte, hein, parce que là, vous avez eu un long épisode. Rengaine tes armes, je souhaite m'entretenir avec toi, Quanaharine.
maudit, pas mort. Contraint à exister sous cette forme pour l'éternité. Coincé entre Laas et Dinoc, entre la vie et la mort. Je crois au respect entre guerriers aguerris, et pour moi, tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles. Mes griffes ont lacéré la chair de nombreux ennemis, mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille. Ainsi, je te nomme Quanarin, ou vainqueur dans ta langue. Eh ben mon dieu, un dragon déchu qui me rend hommage, c'est magique. Tes paroles m'honorent. Si je désire m'entretenir avec toi, Quanarin, c'est en raison de l'issue de notre combat. Bah, je t'ai battu, quoi. J'aimerais humblement te demander une faveur. Si tu veux. Depuis des temps immémoriaux, je parcours le cairn de l'âme et sers malgré moi les maîtres idéaux. Donc. Avant cela, je parcourais les cieux de Tamriel. C'est là que je souhaite retourner. Alors, on a un problème avec les dragons, Tamriel, et en plus, lui, il veut revenir. C'est la meilleure. Je crains que le temps passé ici ne m'ait imposé un lourd tribut. Je suis lié à cet horrible endroit. Sympathique pour passer les vacances. Si je m'éloignais du cairn de l'âme, je perdrais ma force jusqu'à n'être plus rien. Je te confierais mon nom et te donnerais le droit de m'invoquer depuis Tamriel. Fais-moi cet honneur, et je combattrai à tes côtés en tant que Graz et Mazin, ton allié, et je t'enseignerai mon tour. Je prends. Un dragon qui veut se battre pour moi, je prends. Pour toi, peut-être. Pour moi, cela signifierait beaucoup. Je n'attends pas de réponse, Quanarin. Prononce simplement mon nom vers le ciel lorsque le moment sera venu. Ah bah, c'est gentil à vous, hein, mais bon, j'aimerais bien savoir, oui. Autrefois, je considère les Dova parcouraient le ciel. Rivalisons pour leur petit bout de terre. À la différence de mes frères, j'ai cherché des solutions extraordinaires afin de maintenir ma... J'ai commencé à explorer ce que les Dova appellent Alokdilon. Les maîtres idéaux m'assurèrent que mes pouvoirs ne seraient jamais... En retour, je devais leur servir de gardien jusqu'à la mort de celle que l'on nomme Valérie. J'ai découvert un peu trop tard que les maîtres idéaux, ils avaient le contrôle sur mon esprit, mais fort heureusement, ils me libéraient. Le cairn de l'âme fait maintenant. J'espère seulement que tu m'octroieras quelques précieux moments, Tamriel, par ton appel. Et un allié maintenant. Peut-être même pouvoir le chevaucher, tiens. Il ira plus vite qu'un cheval. Et alors donc on retourne à la sortie. Épisode un peu à rallonge, mais bon c'est bien, on fait tout le quin des âmes en un coup, voilà vous voyez un peu le monde est mort, comme on dit. En plus je le trouve bien foutu. Il est bien chaotique, c'est magique. Oh oui. En plus vous verrez plus tard dans le jeu. Visiblement ce monde fait référence à un autre que vous verrez plus tard. Voilà, je vous spoile pas encore. Bon, la sortie. La sortie doit être par là.
Déjà, on a un allié en plus, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Je me demande si la cité impériale brûle encore. Hop, allez. D'où venez-vous ? C'est impressionnant quand même, ces squelettes qui se battent parfois en un coup et parfois il faut leur mettre 10 flèches dans la tête. Donc visiblement, ma forme de vampire a encore augmenté et s'accentué, pardon. Allez hop! Je suis contente que nous ayons trouvé le chemin, mais j'aurais aimé qu'elle vienne avec. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et dans la mort non plus. Allez, viens. Mais... oh. Que tu es bécasse. Allez, ramène-toi un petit peu. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va se quitter. Hein, on va se quitter, on se retrouve dans l'épisode 45 pour la suite. Voilà, donc ici, un épisode spécial Monde des Morts, que vous avez pu apprécier, j'espère. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude, hein. Vous savez que j'adore quand vous me dites ce qui vous a plu ou pas dans les vidéos. Allez, à la prochaine, salut à tous!